Je sais que c'est une vidéo que vous attendez tous avec impatience. Donc oui, vous voyez, changement de décor derrière moi. Hier, j'ai eu une envie... ça faisait un bout de temps que déjà mon atelier me prenait un peu la tête. Et oui, beaucoup vont dire « Mais mon Dieu, tu avais un atelier !» Mais voilà, je n'avais pas beaucoup de recul et ça commençait à me bassiner. Surtout que j'ai failli casser deux créations que vous m'avez envoyées à cause de ce manque de place. Et je peux vous dire que j'ai réussi à coller, donc rien de grave. Mais voilà, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En plus, donc du coup, j'étais arrivée dans cet atelier-là au mois de début décembre, dans ce placard. Avant, j'étais dans ma chambre, donc vous voyez, je suis retournée dans ma chambre du coup. Donc tout l'hiver ça a été, mais alors là que les chaleurs arrivent, je suis sans arrêt à avoir trop chaud. De plus, la lumière du jour c'est pas non plus le tip top pour les vidéos, donc du coup je suis revenue dans ma chambre. Donc oui, ma vidéo atelier tour n'a que 2 semaines et déjà je vous ai tout changé. Mais bon, c'est moi, je change sans arrêt, mon mari a l'habitude. Hein. Du coup, j'ai fait ça hier après-midi en trou de speed. J'ai pratiquement fini, il me reste quelques petites choses encore à trier, à ranger, parce que j'en ai profité pour trier quelques petites choses. Et encore quelques petites décos à accrocher. J'en ai déjà accroché 2 dans mon mur derrière moi. Hop là, vous voyez, hop là. Donc voilà, j'en ai accroché aussi d'autres de l'autre côté. Je vous mettrai des petites photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Je vous ai mis quelques petites choses. Vous savez que je mets beaucoup sur Instagram. Je vais mettre encore plus de stories. Pareil, si jamais vous avez des questions urgentes, je vois que beaucoup d'entre vous posent beaucoup de questions sur YouTube. À un moment, c'est urgent. Alors si vous avez une question urgente, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Au niveau des commentaires YouTube, j'y vais, allez, on va dire tous les 2 jours. Je ne pense pas systématiquement y aller tous les jours. Par contre, après, je passe 1 heure. Encore ce matin, je passais 1 heure à vous répondre. Je réponds d'ailleurs avec très grand plaisir. Mais si, surtout, si c'est urgent, passez par Instagram, là où je suis tout le temps. On va en venir enfin au fait de cette vidéo. Donc, pas de balle cette semaine. Voilà, le concours est fini, du coup. Plus de création, ma boîte aux lettres s'est sortie un petit peu vide cette semaine. Ensuite, quoi dire d'autre? Un grand merci à vous tous, d'ailleurs, déjà, pour tout ce que vous m'avez envoyé. J'en ai partout, j'en ai plein. Ma chambre est toute décorée maintenant, c'est super génial. Du coup, aussi, on est arrivé à un stade... comment vous dire? Nous sommes à 953 pour un concours... qui était déjà à la base pour un 500 abonnés. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé à quand le concours des 1000. Donc oui, à 1000 je vous ferai quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Donc si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, n'hésitez pas à laisser des petits messages en dessous. Ça me donnera peut-être des idées, je ne suis pas encore sûre du tout. Là je me dis ça peut enchaîner vraiment trois concours les uns après les autres. Mais c'est une façon de vous remercier parce que franchement c'est que du bonheur de voir comment ça monte vite. Pour tout vous dire c'est juste que du bonheur. Bref, je me répète. Du coup vous étiez... 30 participants à avoir participé du coup au concours, donc merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Donc du coup je profite ce matin que ma fille est encore, que ma fille est encore là pour pouvoir y piquer encore une fois son téléphone. Donc vous étiez, hop là, donc minimum 1, nombre maximum 30. Attention, vous êtes prêts? Je vous montre. 1 sur 30. Attention, qui aura la chance de gagner le réveil? Donc, c'est la numéro 9. Et la numéro 9, c'est, alors désolé pour mon écriture caca, Claudine Offerman. Donc Claudine, je te laisse m'envoyer un petit message
pour me dire lequel des deux réveils tu voulais, soit le steampunk, soit le shabby. J'ai Lana qui est juste là, du coup, en face de moi, en train de croiser les bois parce qu'elle, les doigts parce qu'elle aimerait bien récupérer le shabby, donc voilà. Donc je te laisse à toi, Claudine, le choix du steampunk ou du shabby. Et voilà, bah je vous dis encore un grand merci à vous d'avoir participé, un grand merci à vous d'être nombreuses et nombreux à me rejoindre chaque jour. Et puis que dire, merci.